Tu vois, Marie-Madeleine, c'est aussi ça jouir des belles choses de la vie. Un lever de soleil, le bruit de la mer, du vent, le bruit du silence, des mouettes. Pouvoir s'émerveiller des belles choses que nous offre la nature, les palmiers qui poussent dans le ciel. Et ça, ça n'a pas de prix. Et bienvenue tout le monde, aventuriers, aventurières férues de grands horizons et de liberté. Et bienvenue aujourd'hui dans la suite de Stranded Deep. Regardez-moi ça. T'as pas rangé la chambre? Tu me fais honte là. Allez, file ranger la chambre là. Je sais, c'est le bordel. C'est le bordel total. C'est... voilà, on m'a d'ailleurs dit dans les commentaires que c'était pas une base, c'était une décharge. Allez, va là-bas toi, merde. Bon, écoutez, ça fera une plaque en plus à ranger. Je vais aller la chercher maintenant. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu le bordel sur notre plage, tranquillement. Je sais que je l'ai fait voler dans le coin. Voilà, elle est ici. Allez, tu viens là-bas. Impeccable. Oh, une petite pierre. Va falloir que je ramasse ça. Je l'avais pas vu celle-ci. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de retours de votre part dans les commentaires. J'ai eu vraiment beaucoup d'astuces. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire... Ouh, toi, tu t'en tires bien, ma cocotte. La première chose qu'on va faire, c'est aller au radeau. Et on m'a dit que dans la petite sacoche... Eh ouais, mon gars, effectivement, on a 3 rations. Yes. On a un bandage, je crois que j'en ai déjà un. Et on a une boussole, je crois que j'en ai déjà 10. Non, sérieux, j'ai droppé tellement de trucs dans les bateaux autour de mon île. C'est vraiment un truc de malade. Bon, en tout cas, les gars, les filles, vraiment, je voulais vous remercier pour tous les retours sur la série Stranded Deep. Parce que vraiment, vous êtes incroyables. Merci vraiment à tous pour vos likes sous les vidéos. Vous êtes toujours présents. Donc, je compte sur vous cette fois-ci pour faire péter 5000 likes sur cet épisode. Si on peut le faire, ce serait vraiment génial de votre part. Et bien sûr, moi et Marie-Madeleine, ça nous motiverait à continuer l'aventure. Ouh, bah, il y a un coffre ici. Ah bah oui, il y a un coffre. Oh, ah mais oui. Mais putain, mais c'est ça que je cherchais la dernière fois, les mecs. Je me disais bien que j'avais ramassé une bouteille d'oxygène dans le coin. Je la retrouvais plus, mais c'est tellement le bordel sur mon île. Il y a des coffres, des tonneaux, laisse tomber, des noix de coco, des bâtons, des pierres, il y a tout ce que tu veux. Oui, yes, c'est ça que je voulais justement pour aller visiter sous le bateau parce qu'on n'a pas encore tout récupéré. Hein. Mais je vais mettre le coffre de côté, je le retrouverai jamais. Ça va être un truc de ouf. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important, ça me ferait super plaisir. Vous activez la petite clochette des notifications si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, bien entendu. Et regardez, il y a un petit rocher ici, on va le ramasser. Il n'y en a pas un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. La mer est tellement bleue et tellement calme aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va partir en radeau. Il va y avoir une tempête, mon vieux. Avec la poisse qu'on a avec Marie-Madeleine. Tiens, une corde. Bah, tu me diras, il y a des cordes, des rochers, des tôles. Pff, laisse tomber, il y a trop de trucs partout, mon gars. Écoutez, on va ranger un peu. Marie-Madeleine, je te laisse là. Les rations, on va les mettre là. On va les regrouper ensemble. D'ailleurs, on va les mettre avec le bandage. On va les mettre également avec la boussole. On va également mettre une corde, une pierre. Et puis bien sûr, les bâtons, on va les ranger là où il y a de la place. Peut-être par là. Par là, ça va être pas mal. Ouais, c'est bien par là. Et les mecs, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 rations. 5 rations, un bandage. Et je crois que... Ouais, yes, j'avais un autre bandage ici. Laisse tomber. Je crois que je l'avais trouvé dans la cabine du capitaine, celui-ci. Et ça, c'est un moteur, ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça va là-bas, ça, avec les moteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regardez, on a encore une boussole, des cannes à pêche. Ok, ça, c'est vide. Ouais, va falloir qu'on range tout ça. Hein. Mais ça va être dans un second plan, les mecs. On va voir aujourd'hui déjà ce qu'on peut crafter pour continuer notre base. Et on va partir par la suite à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, ça aussi, j'ai vu comment ça marchait. Hein. Du coup, en fait, je galérais la dernière fois. Faut juste poser des bouts de viande dessus avec clic droit. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est cuisiné. On va bien sûr manger tout ça. C'est parfait. Donc, celui-ci est condamné à cuire éternellement à l'intérieur. Hein, je sais pas ce qu'il a. Niveau santé, soif, tout ça. Bon, on est impeccable. La faim, on est à fond. La soif, toujours difficile de se mettre à fond. Oh putain. Et puis, il faut qu'on remette... Oh là 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 là, mon gars. Faut qu'on remplisse le distillateur, là. Il nous faut de la flotte, les mecs. Alors, il m'a de l'âne, occupe-toi de la flotte. Tu m'appelles quand c'est prêt. Bon, alors, les mecs, aujourd'hui, on va se préparer vraiment pour la grande aventure. Déjà, on va voir ce qu'on peut crafter. Alors, on m'a dit dans les commentaires de faire un fumoir. Ça pourrait être pas mal. Ce qu'il y a, c'est que pour faire un fumoir, il nous faut un tissu. Je sais pas si j'en ai un. Le truc, c'est qu'avec tout le bordel que j'ai, il y a carrément moyen que j'en ai un, tu vois. Mais je sais pas où il est. Ou peut-être que j'en ai pas. Moi, je pense que j'en ai pas, les mecs. Hein. Voilà, j'ai un peu de corde et tout, machin. J'ai du yucca, j'ai du scotch, du petit bois, des pierres, des boussoles et... Laisse-toi, c'est le bordel, mon gars. C'est le bordel. Bon, écoutez, il me manque du tissu. Ça va être à prendre sur une nouvelle île. Ok. Donc, la poêle de compète, bien sûr, on l'a fait tout ça, machin, nana, ça c'est fait. Le fumoir, on peut pas le faire. Métier à tisser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Est-ce qu'on ferait pas un métier à tisser, les mecs? Fabrique de planches. Oh, le fourneau. Il nous faut de l'argile.
Argile, je sais même plus comment qu'on a ça. Distillateur d'essence. Ok, d'accord. Je pense que dans un premier temps, on va pouvoir faire un métier à tisser les mecs. Ouh là là, ça remplit l'eau là, ici? Oui, yes, ça se remplit tout doucement. Ouais, on va ramasser quelques cordes, les mecs. Ce qu'on peut trouver dans le coin, tu vois, éventuellement. Voilà, il y en a là. Il y en a là. Et il y en a là. Il y en a un petit peu partout. Allez, craque, mon gars, métier à tisser. C'est magnifique, c'est magnifique. On va le mettre juste à côté du distillateur d'eau. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Bah, si c'est pour nous faire des chaussettes, ça servira à rien, tu vois. J'aimerais bien plutôt un truc pour faire de l'eau. D'ailleurs, je pense qu'on va crafter un nouveau distillateur d'eau. À moins qu'il y ait un truc de compète. Comment ça marche, ça? Ok, d'accord. Ouais, bah, c'est sûr, il faut mettre du tissu dedans, mon gars. Bon, au moins, il est crafté, les mecs. Fabrique de planches. Ah, il nous faut un marteau rudimentaire, déjà. Marteau rudimentaire, est-ce qu'on peut en faire un? On peut en faire un. Il est dans le menu, c'est nickel. Il nous faut une hache perfectionnée. Ah, yes, ok, d'accord. Bon, ça, il nous faut des outils en pierre. Je pense que ça va être vite vu pour les outils en pierre. Voilà, j'en fais 2, 3. Ouais, nickel. Allez, 4, c'est la fête. Artisanat niveau supérieur, les mecs. On va regarder nos niveaux supérieurs. Oula, je commence par contre à avoir une petite insolation. Les niveaux supérieurs, ça monte tranquillement, tout doucement, bien gentiment. Alors toi, ma vieille, tu te seras pas envolé bien loin. Ok, donc pour être bien, les mecs, il nous faudrait du cuir et de l'argile. Alors le cuir, ça va être à mon avis sur les porcs et tout qu'on va prendre ça. Par contre, l'argile, comment prendre l'argile? Ça va très certainement être avec un outil. On peut faire un arc. Oh, on peut faire un arc. Il nous faut des branches. J'avais pas une corde sur moi dans l'inventaire là? Si, j'en ai une là. Yes, on peut se faire les flèches qui vont avec. Allez, mon gars. J'ai combien de flèches? J'en ai fait 4 normalement. 4 flèches. On est bien, là. Voilà, mon gars. Oh là là. Huch. Et je peux bien sûr récupérer ma flèche, normalement. Huch. Merde. Oh. Bon, bah, j'ai plus que 3 flèches, les mecs. On a plus que 3 flèches. C'est pas grave. Je peux encore en faire une. J'ai des pierres et tout. J'ai des bâtons. T'inquiète, ça va le faire, les mecs. On va se faire une petite grillade. Par contre, ouais, faudrait qu'on se refasse du petit bois. Ça, on en a plus beaucoup, ça craint, mais... on va se régaler, ma fifi, tu vas voir. Allez, viens auprès du feu. Bah. Voilà, tiens, tu surveilles le barbecue. Tu me dis quand c'est cuit. Donc, on va commencer à avancer, nous, les mecs. Hop, 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 hop. Hein? Merde. Ma flèche. Ma flèche. Elle est où, ma flèche? Les mecs, j'ai perdu ma flèche encore. Putain, c'est pas grave, regardez. Il y a encore des pierres et tout, je récupère. J'ai plus que 2 flèches, quoi. Allez, on va se faire quelques flèches. Déjà, il faut qu'on se fasse... faut qu'on se fasse quelques outils, comme ça. J'ai 6 flèches. Ouais, c'est cool. La lance, on va prendre. Le couteau, on va prendre. C'est pas mal, les mecs, pour commencer, là. On va boire un coup. Ah oui, on va boire. Ah, on va boire, mon gars. Ah, on va boire. On va boire, on va boire. Faut qu'on ramène des feuilles de palmier et tout, là. Ah, sûr. C'est cuit? Oui, c'est cuit. Impeccable. Je prends. Yes. Bon, bah, la fin, ça va. Franchement, la fin, je gère bien. Hein. Hop, tout le temps, j'éteins pour économiser le feu. Allez, viens, ma fifi. Tu vas attraper chaud sur le barbecue. Ouais, il est 7h06. Je pense qu'on va aller dormir, les mecs. Vous ne pouvez dormir que la nuit. Et si j'ai envie de faire une sieste, alors c'est complètement pas RP, mon vieux. J'ai le droit de dormir la journée si je veux. Il faudrait qu'on prenne de quoi se faire une cabane et qu'on la pose sur l'île là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ah là, mon gars, là, c'est l'aventure. J'ai tellement des grands projets pour Stranded Deep. Donc, 4 feuilles, une corde et 3 branches. J'en ai vu une corde. 3 branches et 4 feuilles. 4 feuilles... Putain, je vais encore abattre un palmier. Mais je vous jure, au bout d'un moment, je vais plus avoir de palmier sur mon île. Yes! Allez, on va casser tout ça bien gentiment, les mecs. Et puis après, on va pouvoir partir à l'aventure. Ouh, mais c'est que le temps passe vite quand on part en bûcheronnage. Regardez, la lune se lève. Je commence à ne plus voir grand-chose. Allez, on va ramasser les quelques feuilles. On va prendre carrément de quoi se faire une base. On va traverser l'océan de nuit, les mecs. Voilà, comme ça, on n'aura plus qu'à dormir là-bas une fois arrivé. Quoique, je pense qu'on va dormir, les mecs. Ils sont où, mes lumières, là? Putain, j'en ai une là, et une là. Normalement, j'en avais 3 ou 4, il me semble. Ouais, je crois que je dois en avoir une 4e qui traîne quelque part. Alors, j'ai des torches aussi, hein, bien sûr. Putain, j'ai déjà plus de place dans l'inventaire. Ah oui, mon gars. Ah bah, carrément. On va dormir, les mecs. Et on se retrouve demain matin. Ah, est-il bon de se réveiller le matin tout doucement à la lueur du soleil qui caresse l'océan? Pas vrai, ma belle? Allez, vole, mon vieux. On va partir à l'aventure. Oh, ça va, elle est pas partie loin. Donc, putain, on va partir sur l'île au crabe, là-bas.
ça va être un truc de ouf. On va aller chercher Marie-Madeleine. Où est-ce qu'elle est encore fourrée, celle-là? Ah, bah voilà. Bah, elle est jamais loin. Elle est jamais loin, vous inquiétez pas. Allez, en route, ma vieille. C'est pas le tout, mais on a de la route. Monte dans le radeau. Accroche ta ceinture. C'est moi qui pilote. Attends, bouge pas. On va foutre le radeau. Allô. Ouh. On y voit. Je vais la mettre de côté. Je la mets au frais. Je fais mes réserves, les mecs. Les temps sont durs, hein. Les temps sont durs. Je fais quelques réserves. On va se régaler, ma fifi. Et voilà. Vous inquiétez pas, ils sont pas aussi gracieuses que Marie-Madeleine. Bien évidemment que ce n'est pas elle. Elle, elle est dans le radeau. La vraie, la seule, l'unique, la plus belle. Et en voiture, on est parti sur l'île au crabe, les mecs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, oui, ça existe, c'est des Bernard l'Ermite, machin. Non, Bernard l'Ermite, gros, c'est comme ça. Il y en a plein chez moi, des Bernard l'Ermite. Non, non, mais par contre, oui, effectivement, ça existe. Des gros crabes comme ça, des crabes géants, c'est des crabes de cocotier. Ça ressemble à des Bernard l'Ermite géants, en fait. Marie-Madeleine? Elle est là, c'est bon. Elle tient le choc. Elle tient le choc, elle tient le choc. Moi, vraiment, ce que j'aimerais bien croiser, c'est une baleine, genre. Je sais qu'on peut croiser des baleines. On peut pêcher, genre, il y avait des gros espadons et tout. Genre des martins pêcheurs, mon gars. Pff, laisse tomber, c'était excellent, quoi. Accroche-toi, ma vieille, il y a un peu de houle. On est presque arrivé. Tiens bon, Marie-Madeleine. Ok, on a notre île derrière. Donc, faut surtout que je retienne l'île. Parce qu'en fait, les mecs, franchement, y a des îles partout, quoi. Une fois que tu vas là-bas... Souvenez-vous, les mecs, la dernière fois, c'est sur cette île qu'il nous arrivait des malheurs. On n'avait pas eu le temps de prendre grand-chose. Ouh! Jour survécu 5, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, la dernière fois, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de prendre grand-chose sur l'île. On s'était fait attaquer, il y avait deux crabes géants, il y avait un porc qui nous chargeait et tout. Laisse tomber, mon gars. J'ai pris le radeau, on est reparti en pleine tempête avec Marie-Madeleine. C'était la folie. Il n'y avait rien qu'à aller, les mecs, dans cette partie. Rien. Là, aujourd'hui, on est un peu plus équipé. On est un peu plus équipé, on est un peu plus organisé. Hein, pas vrai, ma vieille? Elle aussi, elle demande que ça, partir à l'aventure, aller explorer de nouveaux horizons, là. Allez, on arrive, ma fifi, on arrive. Oh, 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 oh. Il y a un requin, il y a un requin. Il y a un requin. Alors, c'est toi là-bas, mon gars, qui me l'a mis la dernière fois. Hein? Ah ouais, je me souviens de toi, t'inquiète. Bouge pas, j'arrive, tu vas voir. On va remonter le radeau sur le rivage un peu. Attends-moi dans le radeau, ma fifi. J'en ai pour 2 secondes. Oh putain, ça, je fais gaffe. Je suis sûr que ça pique cette merde. Maintenant, je fais super gaffe où est-ce que je mets les pieds. Parce que je sais qu'une partie, ça peut vite. Voilà, surtout qu'en plus, on me l'a dit dans les commentaires. Mais pense à sauvegarder. Mais en fait, la vérité, gros. Des fois, je vais jouer pendant 2-3 heures et je vais pas sauvegarder, tu vois, voilà. Et du coup, je meurs, bah, faut tout que je recommence, tu vois. Comme là, regarde, depuis le début que j'ai commencé la vidéo, j'ai toujours pas sauvegardé. Alors que ça fait déjà un petit moment que je joue, tu vois. Oh là, voilà, voilà. Ah ouais, mon gars. Oh, ma flèche. Un bâton. Ma flèche. Ah. Il charge. L'enfoiré, il charge. Ma flèche. Allez, on va l'avoir, on va l'avoir, les mecs. Putain, j'ai soif. J'ai pas pris de noix de coco. Ok. Oh, ça, ça pique, mon petit, hein. Il a 2 flèches sur lui. J'ai pas pris de noix de coco, les mecs. Vite, 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 vite. Des noix de coco, les mecs. Des noix de coco. On va boire, on va boire. Il nous faut du cuir. Il nous faut du cuir. Allez, mais... Bien... Ici, j'ai plus de place. Je lâche le cut. Oh putain, ça commence à flotter. Je vous l'avais dit qu'on allait repartir en pleine tempête. Attends, c'est laquelle que j'ai bu? C'est celle-là que j'ai pas bu? Ouais, yes. Yes, yes, yes. Allez, 2 carrés de soif. Oh putain, je vous l'avais dit, les mecs. On repart en pleine tempête. Non, mais c'est une blague. Il me reste 3 flèches. Notre radeau, il est derrière la caisse rouge, là. Vous savez quoi? Je vais faire un abri direct, là. Je vais le faire sur la plage, en face de l'autre île, là-bas. Voilà, tac, comme ça. Allez, mon gars, je sauvegarde. Ouais, c'est sauvegardé, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est sauvegardé. Voilà, comme ça, si je meurs de faim ou quoi, tu vois, je sais que je recommence là. Oh, putain, il y a de l'orage, les mecs. Ok. Touché. 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 Mais il est crevable, gros! Oh! Je vais l'avoir à la lance. Regardez toutes les... Gros, il est mort. Il est mort. Il est mort ou pas? Il est mort ou pas? Il bug, le bordel. Rends-moi mes flèches, gros. Voilà, je pense que lui, il a du cuir. Allez, vas-y, cochon géant.
Pouh, il était costaud, il y en a encore un autre les mecs hein. Oh là là, on va se mettre bien niveau de la faim. Là on va se mettre grave bien. Je sais pas si on peut faire un petit feu de camp, histoire de dormir ici. Putain mais il en a combien sur lui? Mais laisse tomber, mais il est indépouillable le bordel. Indépouillable. Il a trop de trucs sur lui. Ah bah ça y est quand même. Oh là là, yes, de la peau. Et bah voilà, c'est ça qu'il me fallait, du cuir je pense. Ouais, j'ai soif. Les mecs, on va directement. Oh, c'est pas vrai que j'ai oublié ma hache. Est-ce que je peux en faire une? Est-ce qu'on va pouvoir faire une hache? J'ai oublié ma hache. Je peux peut-être en faire une. Il me manque... Ok, il me faut deux trucs comme ça. Ça va le faire. Voilà, une pierre. On va faire un truc comme ça. Et donc, il nous manque pour la hache, il nous manque une corde. Oh, une corde, ça va vite fait se trouver, gros. Il suffit d'un yucca et c'est bon. Voilà, même juste un truc comme ça, c'est bon, c'est suffisant. Quoi qu'il m'en faut deux, je crois. Ouais, je fais gaffe parce que va y avoir les crabes géants qui vont attaquer, mon gars. Sûr. Ah non, il m'en faut quatre. Putain, il en faut quatre. Oh. Oh. Oh, gros. Eux par contre ils me stressent. Bah des rétro satanas, ils sont deux mon gars. Je pars de l'autre côté. Ils me stressent. Oh il y a un serpent gros. Oh je sais pas où il y a un serpent. Je pars de l'autre côté. Une branche, putain je suis pris de tous les côtés là. Il y a des crabes géants les mecs, il y a des serpents, il y a des porcs, il y a un peu de tout en fait hein. Ok, on va pouvoir se faire. Oh gros c'est quoi ça? Wouah. Putain. Ok. Mais gros, mais c'est increvable ou... Ah putain, je l'ai eu. J'ai tellement cru que c'était increvable. Oh, ça me donne rien. Oh, ça me donne rien, mon gars. Oh, ça me donne tellement rien. Je sais pourquoi ça me donne rien. Parce que j'ai dû dropper mon couteau. Quel con. Bon, allez, une corde. Ok, hache. Ok, j'ai dû dropper mon couteau quelque part, les mecs. Le truc, c'est que je sais pas où je l'ai foutu. Au pire, j'en ramène dans le radeau. Je m'en fous, je le charge, gros. Je charge le radeau. Je vais le charger comme jamais, le radeau. Oh putain gros, je suis empoisonné, on a soif. Alors ça on me l'a dit dans les commentaires, il faut que je fasse de l'antidote. Je charge dans le radeau, le cuir je charge. Pour se faire de l'antidote, il faut qu'on trouve des fleurs très spéciales. Toi tu dégages. Alors le truc c'est, est-ce qu'il va y en avoir sur cette île? Je l'espère en tout cas. Oh putain. Yes, alors attends, c'est ça ou c'est pas ça? Je pense que ça doit être ça les mecs. Une fleur de mania marine peut servir à fabriquer des antidotes. Ok, on va tout de suite fabriquer un antidote les mecs. C'est vraiment notre objectif principal. Antidote. Une gourde, c'est une corde et une noix de coco. Oh là là, c'est la course contre la montre. On va dropper ça pour le moment. Putain, j'ai pris trop de trucs sur moi franchement. Est-ce que je peux faire la gourde? Ouais, super. Antidote, yes. Ouf! Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'est plus empoisonné. Par contre, la mauvaise nouvelle, est-ce que je peux faire un récupérateur d'eau ici? Trois cailloux, machin, une gourde, il y a moyen. On va vite se faire... T'as de la chance que t'es pas ma priorité, enfoiré, va! Ouais, tu t'en tires bien, va. Vas-y, fanfaronne. Hein? Oh putain, c'est pas sa mère, ça? Ma flèche, gros. Dégage. Oh, ça empoisonne aussi. Putain, en plus, ça va faire nuit, là. Ouais. Laisse tomber. On va vite rentrer à la base. Allez, ça nous a remis un carré, mais on rentre, les mecs. On rentre. Avant de rentrer. Je suis gourmand, ça craint. Qu'est-ce que je suis gourmand, mon Dieu. On va reprendre un petit peu de bois. C'est surtout des feuilles de palmier. Moi, c'est des feuilles de palmier qu'il me faut. Ah, ça, par contre, je le garde. Ça, je le garde, c'est trop important. Ça, je le garde, la pierre et tout, machin, nana. Allez, les mecs, on se barre de là. On rentre de nuit. Ça va être chaud, quoi. On fait le voyage de nuit. Le radeau, il est blindé, mon gars. Il est chargé, mais comme jaja, quoi. C'est un truc de ouf. Oh ah ouais, putain, je suis trop gourmand, moi. Je suis sûr qu'on va se retourner avec le radeau. Je sais pas pourquoi. On va se retourner, les mecs, avec le radeau. Ça va être un truc de fou. La fleur, ça va, c'est léger ça. Hein. C'est bon, nickel. On va y arriver. On va rentrer tout doucement. Voilà, et puis on va y arriver. Accroche-toi, ma grande, on a de la route. Bah, bien sûr que ça avance alors. Mais c'est nickel. On se retrouve là-bas, les mecs. Accroche-toi, ma vieille, on est presque arrivé. Putain, mon vieux, j'ai l'impression que plus j'arrive sur la fin, plus je recule. Allez, viens ici. Oh putain, c'était quoi ça? J'espère que c'est pas un empoisonnement. Non, je pense que c'est un crabe. Voilà, je ramène tout ça à la maison. On est bon. Par contre, je vais vite aller boire un coup. Allez, je drop tout ça. Y a pas d'eau. Je vais aller boire des noix de coco en attendant. Ah bah attends, j'ai des rations les mecs. Je peux manger une ration. Putain, je zappe tout le temps les rations. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre avec moi. Voilà, je vais quand même. On va remplir le distillateur. Fais voir, ils sont où les rations? Oh yes. Ah ouais, mon gars. Et tu sais quoi, jour de fête? Non, j'allais dire jour de fête, on va en manger deux. Non.
Les rations, c'est trop rare. C'est trop rare, les rations. C'est beaucoup trop rare. On va plutôt allumer le feu. C'est tipar, mon gars. On va se faire un petit barbecue. Mmh, al dente. Regarde ça, mon gars. Je t'ai ramené des grosses côtes de porc, là. Je peux te dire qu'avec ça, on va se régaler. Ah bah là, ma fifi, tu t'en seras jamais foutu autant dans la panse. Regardez ça, elle veut fêter ça. Les vols, Marie-Madeleine. Vol. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est gracieuse. Ah, elle est partie s'isoler 2 minutes sur la plage. C'est normal, c'est trop d'émotions, même pour elle. C'est beaucoup trop d'émotions, les mecs. Oh là là, et ça, ça va nous remonter la faim. La soif. Bon, tout doucement, ça prend. Noix de coco, on va peut-être en prendre une quand même. Voilà, yes. Putain, où est Mâche? Mais laisse tomber, mais c'est le bordel chez moi, là, c'est... Je vois plus rien, les mecs. Je ne vois plus rien. J'en suis où, les crabes, là? Je suis perdu, mon gars. Marie-Madeleine, viens ranger la chambre un peu, là. Tu me fais honte. Putain, je retrouve même plus mes affaires. Laisse tomber, toi. J'avais un couteau, une hache et tout. J'avais des lances, des trucs pour aller à la pêche, des marteaux, des outils, du scotch. Il y a un petit peu de tout. Franchement, les mecs, je suis full stuff, mais c'est éparpillé partout sur mon île. Tu vois, voilà. Il y a des mouettes partout. Je sais même plus qui est Marie-Madeleine là-dedans. Non. Alors là, par contre, non. Ça, c'est bien sûr une vaste plaisanterie, puisque Marie-Madeleine, elle est là. Eh oui, bien sûr, regardez comment elle est gracieuse comme tout. C'est surtout quand tu la mets à la lueur de la lune qu'elle est gracieuse. Regardez, tu mets sa petite tête comme ça à la lueur de la lune, là. Ça la rend tellement gracieuse. Elle rayonne, mon gars. Allez, hop, on va retourner un petit peu les steaks. Histoire de... Voilà, mon gars. Fais voir la montre. Ça va. On va boire un coup, manger. Regardez. Hop. Eh ben oui, la santé, elle va remonter, là, t'inquiète. Là, la santé, elle va remonter. Est-ce que c'est cuit, ça? Ça a l'air... Ouais, yes, c'est cuit. Ouais, regardez, la santé, elle va remonter. C'est nickel. On va se mettre à donf, les mecs. À donf. Et là, j'ai ramené mes full stuff, mon vieux. Je pense que je vais faire un deuxième truc d'eau, comme ça. Attendez, je vais voir... on va voir ce qu'on peut crafter, là. Fabrique de planches, ça peut être pas mal, une fabrique de planches. Un marteau, une hache... Est-ce qu'on peut faire une hache? Ah oui, c'est vrai, il nous manque ça, du cuir. Ça doit être avec ça qu'on fait le cuir. Elle est où la peau que j'ai ramassée là? Je sais plus où je l'ai mise. Hop, déjà, voilà, je prends ça. Voilà, on est à donf. Regardez, la santé elle remonte et tout, c'est nickel. Je sais plus où j'ai foutu la peau, les mecs. Je vais prendre ma torche. Je vois plus rien. Je vous jure, la prochaine fois on range, les mecs. La prochaine fois on range. Voilà, laisse tomber, c'est une déchetterie là-dedans, c'est une décharge. Une décharge à ciel ouvert, quoi. Ça craint. J'ai ramené de la peau, les mecs. Ah, mais je suis certain, gros. J'en ai ramené, je suis certain. Attends. J'ai mis les steaks de porc ici, donc peut-être... Ah, voilà. Voilà, elle est là. À mon avis... Ouais, yes. Oh, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, mais bon, j'ai pas faim. Voilà. Putain, c'est rare que je dise ça dans Stranded Deep. J'ai pas faim. Je pense. Non? Comment tu peux faire du cuir? Atelier de tannerie, les mecs. Ok, c'est ça. 4 cordes et 4 bâtons. Je vais le faire. Attends. La rame, je vais la ranger dans le radeau. Voilà. Déjà, on range la rame. Tu vois, ça fait un peu plus. Voilà. La noix de coco, on va la mettre avec les autres. On va remplir le distillateur encore. Il nous faut toujours de l'eau, les mecs. Faut tout le temps le remplir à fond, le distillateur. Normalement, j'ai de la corde qui traîne. Oui, j'en ai. Yes. Et puis, s'il n'y en a pas assez, je peux en faire. Mais normalement, il y en a assez. Voilà, mon gars. Atelier de tannerie. Yes. Je vais le mettre juste à côté de l'atelier du métier à tisser. Et donc, là, normalement, on va pouvoir faire du cuir. Ah, yes. Nickel. On va pouvoir faire la fabrique de planches. Là, ça va être nickel. Et on peut se faire une petite hache perfectionnée, les mecs. Regardez ce qu'on a dans les mains, là. On est bien ou on n'est pas bien, là? On n'est pas trop mal, là, hein? Marteau, 4 branches. Ah, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Marteau, normalement j'en ai un. Marteau, ok, nickel. 4 branches, une corde et un tronc d'arbre. Je crois qu'on peut la faire, la fabrique de planches là. Mais regardez ça les mecs. Mais regardez ça les mecs. Non mais c'est un truc de malade. Je vais la mettre là, là. Oh là 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 là, mon gars. Mais c'est affolant quoi. Affolant comment qu'on est en train d'avancer. Faudrait que je sache comment récupérer l'argile. Ah bah je pense que c'est avec ça. Du cuir c'est bon, niveau supérieur en artisanat. Et on se fait une petite pioche. Oh, 2 outils comme ça qu'il me faut. J'avais pas vu. 1. Merde, c'est du scotch. Putain, mon gars, c'est le bordel. Faut vraiment que je range. Je vous jure, je vais ranger la prochaine fois. La prochaine fois, je vais ranger. Hein, pas vrai, ma fifi? Va falloir ranger un peu la piole, hein. C'est le bordel là-dedans, là. Ils vont dire quoi, les abonnés, encore? Oh, la pioche, les mecs. Oh, terrible. Laisse tomber, mon gars. Oh. 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 Oh, yes, mon gars. Ça fait des rochers et tout.
Alors pour aller prendre de l'argile, je crois que vous m'aviez dit que c'est dans l'eau. Est-ce que c'est pas Ouais, je fais gaffe, il y a les crabes là. C'est quand même pas ça là. Non non, c'est pas ça, c'est quoi l'argile les mecs? Ou alors il y a des trucs de rochers dans la mer, je sais pas. Bon écoutez, pour l'argile, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas les mecs, encore une fois, aujourd'hui vraiment, on a bien avancé. Là l'aventure commence vraiment à ressembler à quelque chose. Ça voilà, elle ressemble à quoi? Je sais pas trop. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais elle ressemble à quelque chose en tout cas. Voilà, ça c'est sûr, on avance, tu vois, il y a quelque chose. Laisse tomber mon gars, faudrait que je range. C'est le dawa total. Tu sais, c'est comme au début, ta chambre elle est nickel. Un soir, tu laisses traîner une chaussette. Ouais, tranquille, tu vois, le soir d'après, tu laisses traîner un slip. Ça va, c'est quoi un slip dans une vie? Après, tu laisses traîner un crayon, un chargeur, un machin, ceci, cela. Et à la fin, tu te retrouves, mon gars, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Faudra vraiment que je range. Ça va être ça le plus long. Ça va être le plus long, ranger les mecs. Je pense qu'on va devoir faire un épisode spécial rangement. Il va y avoir un épisode dédié au rangement les mecs. Il y aura pas le choix. Regardez, faut vraiment qu'on améliore notre île. Comment tu veux bosser dans des conditions comme ça mon vieux? C'est pas possible. On y voit rien. Je m'y retrouve pas moi. Bon écoutez, dites-moi tout ça pour l'argile dans les commentaires. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like hein. Ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas qu'on tente les 5000 likes sur cet épisode. Et puis bien sûr si vous voulez soutenir la chaîne toujours plus, vous savez que vous pouvez retrouver Stranded Deep sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Avec le petit code Jolat, bien sûr vous faites des économies. Nous on se dit à très bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye.